الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wa kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière, on avait traiter de plusieurs sujets. Avant de traiter les sujets de la semaine dernière, concernant une question qui avait été posée sur l'invocation que doit dire le mari avant tout rapport conjugal avec son épouse. La question était, est-ce que l'invocation à dire qui est de dire Bismillah, Allahumma, jannibna ash-shaytan, la question qui avait été posée, est-ce que cette invocation est propre au mari ou doit-elle être dite également par l'épouse? Et la réponse est que c'est une invocation qui est propre au mari, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Donc concernant les sujets traités la semaine dernière, on avait parlé de l'intention que devait avoir le mari, l'homme et la femme lorsqu'ils se marient, c'est d'avoir l'intention de préserver leur personne, et qu'en ayant cette intention, eh bien, leur récompense sera multipliée. On avait cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que chaque tasbih est une sadaqa, est une aumône, chaque takbir, chaque tahlil, chaque tahmid, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que lorsque l'un d'entre vous a des rapports conjugaux avec son épouse, eh bien, il en sera récompensé. Les compagnons, radiallahu anhum, étaient étonnés de cette réponse et ont dit, ô envoyé d'Allah, l'un d'entre nous a assouvi ses désirs et en même temps il en est récompensé. Le professeur sallam leur a répondu, celui qui le fait dans le haram, dans l'interdit, n'a-t-il pas des péchés? Eh bien, celui qui le fait dans le licite, il est normal qu'il en soit récompensé. Ensuite, on a parlé de l'walima. L'walima qui signifie le repas du mariage. Quel est le jugement de ce repas du mariage appelé l'walima? L'auteur dit qu'il est, que c'est obligatoire. C'est le seul avis? Non. Non, on a vu que la plupart des savants disent que c'est une sunnah. Jumhur ulama disent que c'est une sunnah, que c'est mustahab. La plupart des savants disent que c'est préférable et non obligatoire. Et on avait vu que l'avis le plus sûr, Allahu a'lam, c'est que c'était une obligation, car le professeur sallam a dit innahu yani awlim walaw bishat, lorsqu'il a dit Abdurrahman ibn Auf, fait la walima ne serait-ce qu'avec une brebis. Mais un autre hadith plus explicite où le professeur sallam a dit innahu la budda il ursi min walima, il est obligatoire pour chaque mariage d'accomplir ou de faire la walima, c'est-à-dire de faire le repas du mariage. Et on avait cité trois choses à respecter concernant al-walima, concernant le repas du mariage. La première chose qui était préférable de faire, c'est-à-dire, c'est en rapport avec le repas du mariage. Non? De le faire trois jours après la consommation. De le faire trois jours après la consommation du mariage. La seconde chose à observer concernant le repas du mariage, non? D'inviter
d'inviter les gens pieux et vertueux, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches. Il ne faut pas différencier lorsque tu invites des gens à ton repas du mariage. Il ne faut pas inviter que les riches et délaisser les pauvres. Et la troisième chose à respecter qui est de dégorger une brebis ou plus pour celui qui en a la capacité et les possibilités. Et celui qui n'a pas les possibilités, alors de faire ce qu'il peut. De faire ce qu'il peut comme nourriture, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait sa walima qui était composée de trois choses qui sont des dattes, du fromage et du beurre. Et on avait dit qu'il était interdit d'inviter que les riches et de délaisser les pauvres, de même qu'il est interdit, comme le professeur Hassan m'a dit, le pire des repas du mariage, c'est celui dans lequel on refuse ceux qui viennent, ou on refuse ceux qui veulent venir, et qu'on invite ceux qui ne veulent pas. Et également, parmi les pires repas du mariage, c'est lorsque uniquement les riches sont invités et que les pauvres sont laissés de côté. Et concernant la réponse à l'invitation du mariage ou du repas du mariage, quel est le jugement de cette invitation? À part Bachir? Non. C'est une obligation, sauf pour celui qui a une excuse islamiquement valable. C'est une obligation, sauf pour celui qui a une excuse reconnue islamiquement. Et que doit-il faire? Et Annie, il doit répondre même en étant jeuneur. Même en étant jeuneur. Et lorsqu'il est jeuneur, il a le choix de rompre son jeûne ou de continuer à jeûner. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire s'il reste en état de jeûne, que doit-il faire? Des invocations en faveur de celui qui invite. Non, de faire des invocations envers celui qui l'invite. Et ceci concerne-t-il tous les jeûneurs ou une partie des jeûneurs? Non. Cela ne concerne que le jeûne surérogatoire. Quant au jeûne obligatoire, il n'est pas autorisé de l'interrompre et de le rompre. Et ce jugement est propre à celui qui fait un jeûne surérogatoire. Et on avait dit qu'il n'était pas autorisé de répondre à l'invitation du repas du mariage lorsque dans ce repas ou autour de ce repas, il y avait des interdits. Il y avait des interdits, on avait cité plusieurs hadiths, plusieurs preuves à ce sujet. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il refusait d'entrer dans une maison où il y avait des représentations. Et de même que les salafs radiallahu anhum, ils refusaient de manger chez une personne dans la maison où il y a des interdits et des choses qui énerve Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de rentrer dans une maison où il y avait des représentations. Et on avait dit que les photos ou les représentations qui sont interdites, ce sont celles qui représentent des choses qui ont une âme. Et plus précisément, as-sura, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama suratu Arras, que la photo c'est la tête. Ce qui est interdit, ce sont les têtes. Donc, si cela est interdit, il est encore plus interdit de répondre à une invitation pour le repas du mariage dans lequel les hommes et les femmes sont mélangés, dans lesquels les femmes sont découvertes, dans lesquels il y a de la musique, etc., etc. Il est interdit de répondre à ce genre d'invitation. Et celui Les savants disent, sauf pour celui qui a la possibilité de changer ce mal. Celui qui sait que lorsqu'il répondra à cette invitation, eh bien, il a la capacité, il a la carrure pour pouvoir arrêter le mal présent autour de ce repas. Donc, il lui est autorisé de répondre et d'interdire le mal
Si le mal est arrêté, alors il lui est autorisé de rester. Par contre, si il refuse de s'abstenir de cela, alors la personne doit s'en aller. Non. Ensuite, on avait parlé qu'il était autorisé aux femmes d'utiliser d'utiliser le tambourin. Et on avait donné la définition du tambourin qui est un instrument recouvert de cuir ou de peau d'un côté et dont l'autre face est ouverte. Quant à celui qui est recouvert des deux côtés de peau ou de cuir ou autre, eh bien son utilisation n'est pas autorisée. Et qu'il était uniquement autorisé aux femmes d'utiliser le tambourin, car le professeur Hassan a dit A'linou an-nikah, yani, faites en sorte que le mariage soit propagé et soit diffusé. Diffuser le mariage, c'est-à-dire faites en sorte que le mariage d'un tel et d'un tel se sache et que les gens en prennent connaissance. On avait cité plusieurs hadiths qui prouvent qu'il est autorisé d'utiliser ces instruments et également de chanter tant que ces chants ne comportent pas d'interdits. Et ces interdits, parmi les plus grands interdits, ou plutôt le plus grand interdit, est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est aussi interdit de chanter des chants qui comportent des choses obscènes ou des choses qui appellent à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des choses insensées. Les chants doivent être des chants sensés, des chants raisonnables et acceptables. Bonne. Non. Et pour les chances, c'est pour les femmes ou les hommes aussi, ça doit être. Allah alam, nadir. Allah alam, nadir. Ensuite, on avait parlé de al-ishra, de la vie conjugale entre le mari et la femme. Et on avait dit qu'il était obligatoire pour l'homme de bien se comporter avec son épouse et d'avoir avec elle ou de faire en sorte que la vie conjugale avec son épouse soit une vie paisible et agréable. Et on avait cité plusieurs choses à respecter Annie la semaine dernière entre le mari et son épouse, que pour que la vie Annie conjugale soit paisible et agréable, il fallait que tout d'abord Annie chacun des conjoints ou chacun des époux respecte les devoirs de l'autre. Et d'être doux, de patienter. Pour que la vie conjugale soit paisible, il faut patienter et il faut, comme on l'a dit, regarder, comment dire, la personne sous tous ses aspects. De ne pas voir les défauts de ta femme uniquement, ni pour la femme de voir les défauts de son mari uniquement, mais de voir également les bienfaits qu'a cette personne et de voir ses qualités. Et le professeur Asselin m'a dit, comme on l'a cité la semaine dernière, que le croyant ne doit pas s'énerver, ne doit pas être énervé contre la croyante. S'il déteste en elle quelques caractères ou quelques comportements, il est satisfait d'elle sur d'autres comportements et d'autres qualités qu'elle a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khayrukum, khayrukum li ahlih, le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte de la meilleure des façons avec son épouse ou avec sa famille, et moi, je suis celui qui se comporte le mieux avec ma famille. Taïb. Oyajibu, alayhi an yuhsina ishrataha wa yusayiraha fima ahallallahu laha, la siyama idha kanat hadithatu sin, wa fi dhalika hadith minha, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum khayrukum li ahlih. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, qui est obligatoire pour l'homme d'avoir une vie ou d'offrir à son épouse une vie conjugale agréable et paisible et de s'occuper d'elle dans ce qui est licite et surtout lorsque son épouse est jeune. Il est dans cela plusieurs hadiths, celui qu'on a cité, le meilleur d'entre vous, et celui qui est le meilleur avec son épouse. Et je suis le meilleur avec ma famille.
وقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous montre que pour qu'un croyant atteigne, ou les moyens qui permettent aux croyants d'atteindre une foi complète, c'est d'avoir un comportement louable, d'avoir un bon comportement. Et ceci, yani le prophète صلى الله عليه وسلم a parlé de façon générale. Et le bon comportement en islam est une chose extrêmement importante. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui se comporte, et ou celui qui a un bon comportement, atteint le degré de ceux qui jeûne le jour et prie la nuit, pour montrer le mérite du bon comportement, et que celui qui se comporte bien, celui qui a un bon comportement, celui dont les gens disent du bien et ne font quasiment pas de reproches, eh bien, il est aimé, inshallah subhanahu wa ta'ala, et il est récompensé de son bon comportement, et sa récompense est similaire à celui qui jeûne la journée et qui prie la nuit. Sachant que jeûner la journée et a des grands mérites, de même que la prière nocturne a aussi des grands mérites, c'est même la prière, c'est même la meilleure prière après la prière obligatoire. La meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière nocturne. Puis le prophète sallam a précisé en disant: et le meilleur d'entre vous, c'est-à-dire le meilleur de ces croyants qui ont une foi complète, eh bien, les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui sont les meilleurs avec leur épouse. Le prophète sallam a tout d'abord parlé de façon générale, puis a précisé et a dit que les meilleurs de tout cela, ce sont ceux qui sont les meilleurs avec leur épouse. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Et la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, qu'un croyant ne s'énerve pas envers une croyante si il déteste d'elle certains comportements, eh bien, il en accepte et est satisfait d'autres comportements. Hadith authentique rapporté par Muslim. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يؤطئن فراشكم أو فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. حديث حسن رواه الترمذي. Et un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encourage le musulman à bien se comporter avec son épouse, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son discours qu'il a fait dans le seul et dernier pèlerinage où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé à ses compagnons et les a conseillés. Et parmi les conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses compagnons, et conseils qu'il a donné à ses compagnons et le jour même, mais à sa communauté par la suite, et ceci jusqu'à la fin des temps, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ala wastawsu bin nisa'i khayra, et acceptez mon conseil qui est de bien se comporter avec les femmes. Wal-istisa qabulul wasiyya. Et al-istisa en arabe, c'est le fait d'accepter un conseil, d'accepter un conseil. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: car elles sont prisonnières chez vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la femme
vis-à-vis de l'homme comme étant prisonnière. Autrement dit, que l'homme, il s'occupe de sa femme, la prend en charge et qu'elle est sous sa responsabilité et sous son autorité. Le professeur Hassem a utilisé une métaphore pour montrer que l'homme s'occupe de sa femme, que l'homme prend soin de sa femme, que l'homme a autorité sur sa femme. Et pour que la vie conjugale se passe paisiblement également, il faut que dans la maison, l'autorité soit donnée à une personne. Car si l'autorité est donnée à plusieurs personnes, cela va être source de divergence, cela va être source de discorde, etc., etc. Donc, celui qui a autorité dans sa maison, c'est le mari. Et la femme, est sous l'autorité de son mari. Mais cela n'empêche pas, ou ne doit pas empêcher le mari de consulter sa femme lorsqu'il doit prendre des décisions qui la concernent, qui concernent sa famille. Parmi les bons comportements, c'est lorsque l'homme veut prendre une décision qui concerne son épouse ou sa famille, qu'il lui est préférable de se concerter avec son épouse, de lui expliquer les choses, de lui demander son avis, etc., etc. Quant à la décision finale, elle appartient à lui, Allahu a'lam. Puis le professeur Hassan a dit, vous n'avez envers elle à faire que cela. Yani, ce qui vous est demandé, c'est de bien vous comporter avec elle et de vous acquitter des droits qu'elle a sur vous et non pas de les offenser. Et non pas de les offenser ou de leur porter atteinte. Illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Sauf si elles font yani al-fahisha en arabe, ce sont les péchés et les erreurs. Et en général, al-fahisha est utilisé pour yani décrire l'adultère, car l'adultère est un des pires péchés et un des plus ignobles. Et yani quand al-fahisha est ici dans ce hadith, c'est yani général. Il faut le prendre dans le sens général, sauf si vous voyez d'elle des péchés et yani avérés. Bi fahishatin illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Et parmi les choses qui ne sont pas autorisées à la femme, c'est d'être orgueilleuse envers son mari et de se sentir au-dessus et de s'élever vis-à-vis de son mari. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cela dans le Coran lorsqu'il dit: Wallati wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun fil madadi'i. Et celles dont vous avez peur ou celles qui s'élèvent, an-nashaz, c'est le fait de s'élever et de se croire au-dessus de quelque chose. Pour ça qu'on dit nashazatil ard, que la terre est nashiza, c'est-à-dire qu'elle est élevée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné ou a cité ici un mal qui est le fait que la femme s'ostente ou s'enorgueille devant son mari. Et ceci peut-être et ceci a lieu lorsque la femme manque au devoir qu'elle a envers son mari. Une femme doit obéir à son mari. Une femme a des droits, a des devoirs vis-à-vis de son mari. Et elle peut refuser de s'acquitter de ses devoirs par orgueil. Ou bien alors qu'elle s'acquitte des devoirs qu'elle a envers son mari, mais qu'elle s'acquitte de ses devoirs en étant insatisfaite, en boudant, en montrant son mécontentement, en faisant cela et en montrant de façon claire et évidente qu'elle n'est pas d'accord et que cela l'embête plus qu'autre chose. Et il n'est pas permis à la femme d'avoir un tel comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wallati takhafuna nushuzahun » celle parmi vos femmes qui ont ce genre de comportement, « fa'idhuhun » alors exhortez-les.
Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord fait un constat d'un mal, puis donne les solutions. La première solution, ou le premier remède, c'est d'exhorter son épouse. Fa'idhuhun. Et al-wa'd, l'exhortation, c'est de parler de façon claire, de façon posée à son épouse, en lui expliquant les devoirs qu'elle a envers son mari, en lui expliquant que si elle obéit à son mari, c'est avant tout une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et que si elle obéit à son mari, elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et si elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elle en sera récompensée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une femme prie ses cinq prières, jeûne son mois du ramadan, préserve ses parties et obéit à son mari, alors il lui sera dit, entre au paradis par la porte que tu désireras. Et que si elle n'obéit pas à son mari, ou si elle ne s'acquitte pas des devoirs qu'elle a envers son mari, alors elle a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elle encourt le châtiment. Et de lui faire une exhortation sur les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses châtiments, et d'essayer d'émerger la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Fa'idhuhun. Et si l'exhortation n'influe pas, si l'exhortation ne porte pas ses fruits, si l'exhortation douce, claire, concise, qui normalement doit être acceptée des personnes, n'est pas acceptée de cette femme qui, malgré cela, et elle y reste dans son état, alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fahjuruhunna fil madaji'. Alors, écartez-vous d'elle dans les lits. Yani, ne dormez pas avec elle. Ne dormez pas avec elle. Dormez dans un. Yani, ne dormez pas dans le même lit. Et cela implique aussi de ne pas avoir de rapports conjugaux avec elle. Pour montrer à cette femme qui s'ostente devant son mari ou qui manque à ses devoirs, yani que son mari lui montre son mécontentement. Et peut-être que cela la fera réfléchir, la fera raisonner et permettra, inshallah, qu'elle revienne à la vérité. Fahjuruhunna fil madaji'. Et si cela ne porte pas ses fruits, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wadribuhun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé une femme, comme l'a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'amra'atan wala khadima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé ni une femme, ni un de ses serviteurs. En dehors de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé. Et malheureusement, beaucoup de gens, par leur manque de science, ou par leur manque dans le comportement, ils passent à la troisième étape qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée. Et voire même à la quatrième étape qui est le divorce. Certains, lorsqu'ils voient leur femme ainsi, c'est bon, je te divorce, rentre chez ta mère. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, exhorte-la, exhortez-les. Et si l'exhortation ne porte pas ses fruits, alors de se séparer d'elle dans le lit, etc. Mais de ne pas sauter les étapes, cela n'est pas autorisé en islam. Il faut suivre l'ordre et les remèdes qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseignés. Fajuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa'in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit fa'in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. Et si elles vous obéissent, et si elles reviennent à la vérité, et si elles changent de comportement, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Alors, tournez la page. Alors, tournez la page. Alors, faites en sorte, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, faites comme si de rien n'était. Faites comme si rien n'a eu lieu. Car, yani, le but a été atteint. Ton but en exhortant ton épouse, c'était qu'elle revienne à la vérité et qu'elle s'acquitte de ses devoirs. Elle est revenue,
Alhamdulillah, tourne la page. Tourne la page et ne ressort plus cette histoire par la suite. Car certains disent oui, et après que la femme est revenue sur ses torts et sur ses péchés et ses manquements, beaucoup utilisent cela quelques temps après, quelques mois après ou quelques années après. Non. Lorsque la femme revient, il ne faut plus reparler de ce sujet. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut et le plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut et le plus grand. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a terminé ce verset en disant إن الله كان عليا كبيرا. Allah est le très haut et celui qui est le plus grand. Allah Azza wa Jal, comme le disent les savants, a terminé ce verset par le fait qu'il est le très haut et le plus grand pour montrer aux hommes qui seraient amenés à abuser des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordées. Car certains hommes vont eux aussi être pris par orgueil et abuser dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé de faire concernant l'éducation de son épouse. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux hommes, faites attention, faites ce que je vous ai autorisé dans les règles instaurées et ne dépassez pas les limites. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa'idhuhun, exhortez-les, ce n'est pas crier sur elles, ni insultez-les. Et ne soyez pas orgueilleux vis-à-vis d'elle. Ce n'est pas parce que vous êtes les maris et les hommes que vous devez parler à vos femmes en criant, en les insultant, etc., etc. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah kana aliyan kabira. Allah est le très haut. Sachez que au-dessus de vous, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui est le très haut et qui est le plus grand. Tayyib. Donc ça, c'était concernant ce verset. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ فَعَلْنَ فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Et si elles font cela, c'est-à-dire si elles font al-fahisha, des péchés, et ou si elles s'élèvent devant leur mari ou envers leur mari, alors séparez-vous d'elles dans les lits. وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Et si elles vous écoutent et si elles vous obéissent, alors passez cela, ne leur reprochez plus cela. أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا. Et sachez que vous avez envers vos femmes des droits, وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا, et que vos femmes ont envers vous des droits. فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ, et parmi les droits que vous avez sur vos femmes, c'est qu'elles n'ont pas le droit de faire rentrer chez vous des personnes que vous détestez. فَلَا يُؤْطِئَنَّ فَرَشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. Ces deux phrases sont similaires et identiques. Elles veulent dire la même chose, qui est le fait qu'il n'est pas autorisé à la femme de faire rentrer dans la maison de son mari des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, que son mari déteste ou avec qui il ne s'entend pas. Ala wa haqqihin alaykum, et quant au devoir ou au droit qu'ont vos femmes envers vous, an tuhsinu ilayhin, de bien vous comporter envers elles et de les habiller ainsi que de les nourrir. De les habiller et de les nourrir. Hadith authentique, ou plutôt hadith jugé bon, rapporté par At-Tirmidhi. ويجب على الرجال العدل بين نسائه ويجب على الرجل العدل على بين نسائه في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي فإن مال إلى إحداهن دون الأخرى شمله الوعيد المذكور
في قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد الشقين ساقط. حديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي. Et il est obligatoire pour l'homme d'être juste envers ses femmes, s'il a plusieurs femmes, d'être juste envers elles dans la nourriture qu'il leur donne, dans les maisons où, yani la maison qu'il met à leur disposition, dans les habits ou les vêtements qu'il leur donne, et également dans la résidence avec elle, qu'il doit résider d'une façon équitable chez l'une comme chez l'autre. S'il est resté 2 jours chez l'une, il doit rester 2 jours chez l'autre. وَسَائِرْ مَا هُوَ مَادِّي. Il doit être juste également dans toutes les choses, qui sont maddiya, qui sont matérielles. بَرَكَ Dans toutes les choses matérielles. فَإِنْ مَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ دُونَ الْأُخْرَى شَمَلَهُ الْوَعِيدُ الْمَذْكُورِ. Et si il tend vers une de ses femmes plus que l'autre dans les choses matérielles, alors la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam pèse sur lui. Et cette menace, elle est citée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: celui qui a 2 femmes et qui penche vers une plus que l'autre, il viendra le jour du jugement avec la moitié de son corps qui sera abaissé vis-à-vis de l'autre. Wal'iyadu billah. Il viendra le jour du jugement et la moitié de son corps sera en dessous de l'autre. Wal'iyadu billah. Son corps sera disforme et il aura une partie qui sera plus basse que l'autre partie de son corps. Wal'iyadu billah. Et ici, cette menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam pèse sur des choses matérielles. Les choses matérielles dont l'auteur a cité les exemples: la nourriture, le logement, les vêtements et le fait de dormir chez l'une. Il faut dormir le même nombre de jours chez l'une de ces femmes comme chez l'autre. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الْمَيْلِ الْقَلْبِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ. Et il n'y a pas de mal à pencher ou à tendre vers une de ces femmes plus que l'autre dans des choses qui ne sont pas matérielles, dans les sentiments. Autrement dit, il n'y a pas de mal à un homme d'avoir plus de sentiments ou d'aimer plus une de ces femmes que l'autre. Cela est autorisé, car l'homme ou l'être humain, ce sont des choses qu'il ne peut pas gérer. Les sentiments qu'il a envers sa femme, envers une de ses femmes plus que l'autre, ce sont des choses qu'il ne peut pas contrôler, ce sont des choses qu'il ne peut pas gérer. Mais le fait qu'il ait plus de sentiments vers une plus que l'autre, cela ne doit pas faire en sorte qu'il fasse du favoritisme matériel envers une de ses femmes plus que l'autre. La preuve que il est autorisé de tendre ou de pencher vers une de ces femmes, d'avoir plus de sentiments vers une que l'autre. وَلِذَا قَالَ تَعَالَى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle aux hommes en disant: vous ne pourrez jamais être équitable envers vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Alors ne penchez pas entièrement vers l'une d'elles au point de laisser l'autre en suspens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: vous ne pourrez pas être équitable envers vos femmes, même si cela vous dérange, même si vous faites en sorte d'être équitable envers elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici des sentiments. Il ne parle pas des choses matérielles, comme l'ont mal compris beaucoup de gens qui s'aventurent à expliquer des versets selon leur passion.
Des gens qui parlent de religion, ils parlent du Coran et l'expliquent, alors qu'ils ne l'ont jamais étudié et n'ont jamais écouté les explications des savants. Il n'est pas autorisé à celui qui n'est pas spécialisé dans un domaine ou qui n'a pas des connaissances approfondies dans un domaine de parler d'un sujet. Comme il est interdit à celui qui n'est pas médecin de soigner quelqu'un. Chacun a son domaine, chacun a sa spécialité. Et celui qui s'aventure dans des sujets qu'il ne connaît pas, eh bien, il apporte toujours des choses incroyables et inimaginables. Lorsque vous entendez quelqu'un dire des choses insensées, incroyables et inimaginables que personne avant lui n'a dites, sachez que cette personne a parlé d'un sujet qu'il ne connaissait pas. Qu'il dit que les musulmans, eh bien, ils ont l'habitude de forcer leurs filles au mariage et que cela fait partie de la religion. C'est une chose insensée de dire cela. Car l'islam n'autorise pas le mariage forcé, mais en plus le condamne. Mais en plus le condamne. Donc si quelqu'un vous dit que l'islam ou que les musulmans forcent leurs filles au mariage ou que cela fait partie de leur religion, eh bien sachez que cette personne a parlé d'une chose qu'elle ne connaissait pas. Et ainsi de suite. Donc certains ont expliqué ce verset pour abolir la polygamie. Pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, dans le début de Sourate An-Nisa, si vous avez peur de ne pas être juste avec vos épouses, alors mariez-vous avec une seule. Puis ils disent, mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit ensuite, un peu plus loin dans la même Sourate, mais vous ne pourrez pas être équitable avec vos femmes. Donc, en conclusion, vous ne pouvez pas vous marier avec plusieurs femmes. Cela est faux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous avez peur de ne pas être juste avec elles, c'est-à-dire dans les choses matérielles, alors mariez-vous avec une seule. Et il est interdit à un homme de se marier avec plusieurs femmes s'il sait qu'il ne pourra pas être juste avec elles. Et il se met en danger. Et il risque de venir, wal'iyadu billah, le jour du jugement, avec la moitié de son corps plus basse que l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans l'autre verset, vous ne pourrez pas être équitable avec vos femmes, même si vous faites en sorte de l'être. Car ce sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas être équitable, vous ne pouvez pas avoir les mêmes sentiments pour une femme, pour une de vos femmes, comme pour l'autre. Et malgré vos efforts, malgré les efforts que vous donnerez pour essayer d'avoir les mêmes sentiments, vous ne pourrez pas. Car c'est quelque chose que l'Ensemble a créé en l'être humain. Non. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais ne vous penchez pas vers une de vos femmes plus que l'autre en délaissant l'autre. Cela est interdit. وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِلُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَا هُوَ مَادِّي لَا يُفَرِقْ بَيْنَهُنْ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était juste envers ses épouses dans toutes les choses matérielles. Il ne faisait pas de différence entre elles dans tout ce qui était matériel. Mais malgré cela, Aïcha radiallahu anha était la femme la plus aimée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, an Amr ibn al-As, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أين الناس أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال فقلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا حديث صحيح رواه الترمذي. La preuve, c'est le hadith de Amr ibn al-As رضي الله عنه qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé
pour aller rejoindre l'armée qui était présente à la bataille de Dhat al-Salasil. On avait déjà parlé de cette bataille, Dhat al-Salasil, qui est. Salasil, c'est quoi? Hein? Au niveau de la langue arabe, c'est le pluriel de chaîne. Mais on avait déjà vu cette bataille lors de, du, dans le livre de la purification, dans Kitab al-Tahara. Al-Salasil, on avait dit que c'était le nom d'un fleuve. Le nom d'un fleuve des gens de Bani Judhan. De Bani Judhan. Et ce fleuve était présent dans la région du Chêne, donc au nord de Médine. Et cette bataille a été appelée la bataille de Dhat al-Salasil, car elle a eu lieu à proximité de ce fleuve. Car elle a eu lieu à proximité de ce fleuve qui était appelé al-Salasil. Et Amr ibn al-As, lorsque le professeur Hassan l'a envoyé, lui a profité pour lui poser une question. Il lui a dit: qui parmi les gens aimes-tu le plus? Et le professeur Hassan m'a dit: Aïcha. Et Amr ibn al-As a dit: et chez les hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit son père, c'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anhu. Et Amr ibn al-As radiallahu anhu a dit: et ensuite, puis ensuite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: puis Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, fa'adda rijala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité d'autres hommes qui étaient aimés chez lui. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que la femme qu'il aimait le plus était Aïcha radiallahu anha. Mais le fait qu'il aimait plus Aïcha radiallahu anha, cela ne l'a pas empêché d'être juste dans toutes les choses matérielles entre ses épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste envers ses épouses, même dans la maladie qui a précédé sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Même dans la maladie qui a précédé sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit chez chacune de ses épouses. Et c'était des hommes qui venaient le prendre et le déplacer d'une maison à l'autre, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa maladie était très douloureuse et que il était difficile pour lui de se déplacer d'une maison à une autre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on le déplaçait, il disait: où serai-je demain? Où serai-je demain? Aïna ana ghadan, aïna ana ghadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela car il était pressé d'être dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et lorsque la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam devenait de plus en plus insupportable et les déplacements d'une maison à une autre devenait difficile pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé la permission à ses épouses d'être soignées dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et dans une version, c'est sa fille Fatima radiallahu anha qui s'est exprimée ou qui a parlé aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'elles donnent leur autorisation d'être soignées dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et les savants l'ont déduit de cela qu'un homme qui a plusieurs femmes, qui lui est autorisé, s'il est malade, d'être soigné dans la maison d'une de ses épouses, à condition que les autres lui en donnent l'autorisation. Puis le professeur sallam est décédé dans la maison de Aïcha radiallahu anha un lundi, et Aïcha radiallahu anha a dit: et le professeur sallam est décédé le jour où il avait l'habitude d'être chez moi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela nous prouve qu'il ne faut pas négliger le fait d'être juste dans les choses matérielles envers ses épouses, même si tu es malade. Même si tu es malade, cela ne t'autorise pas d'être injuste ou de ne pas être équitable envers tes épouses. طيب كم ينكح الحر ولا يحل التزوج بأكثر أو بأكثر من أربع لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Combien, avec combien de femmes est-il autorisé de se marier?
Il n'est pas autorisé de se marier avec plus de quatre femmes. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: mariez-vous avec les femmes qui vous plaisent, ou parmi les femmes qui vous plaisent, deux, trois ou quatre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit: fa'in khiftum an la ta'dilu fawahida. Et si vous avez peur de ne pas être juste, alors une seule. Donc ici, le maximum qu'a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset est le nombre de quatre. ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. Une autre preuve que le maximum est de quatre, c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم au compagnon appelé غيلان ibn سلمة lorsqu'il s'est converti et qu'il avait sous sa tutelle 10 femmes. Il s'est converti alors qu'il était marié auparavant à 10 femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: garde-en 4 et sépare-toi des autres. Hadith authentique apporté par At-Tirmidhi ibn Majah. Wa an Qays ibn al-Harith qala aslamtu wa indi 8 niswa fa'ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fadhakartu dhalika lah فقال اختر منهن أربعة حديث حسن صحيح رواه ابن ماجه وابو داود. Et un autre hadith, le hadith de Qays ibn al-Harith, qui dit: je me suis converti et j'avais 8 femmes. Je suis venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai informé de cela et il m'a dit: choisis parmi ces femmes 4. Hadith authentique rapporté par ibn Majah et Abu Daoud. Ensuite, l'auteur parle du chapitre des femmes qui nous sont interdites. Al-muharramatu min al-nisa. Les femmes qui nous sont interdites au mariage. Qala ta'ala, wa la tankihu ma nakaha aba'ukum min al-nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, les versets 22 à 24: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'épousez pas les femmes qu'ont épousé vos pères, sauf, yani Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, sauf les femmes que vous avez épousées avant l'arrivée de l'islam, que vos pères ont déjà épousé. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous reproche pas cela, mais cela ne signifie pas qu'il doit rester avec elle, il doit s'en séparer, mais le fait qu'il se soit marié avec une femme qui a déjà été mariée à son père avant l'arrivée de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne cela et ne le comptabilise pas. Non, Ahsan. Avant la révélation de ce verset. Ahsan. Avant l'arrivée de ce verset. Barakallahu fik. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: c'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. C'est-à-dire de se marier avec une femme que ton père a épousée. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité les femmes qui nous sont interdites en disant: vous sont interdites vos mères, vos filles. Elle dit: vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes maternelles, tantes paternelles, les filles d'un frère,
les filles d'une sœur, les mères qui vous ont allaité, les sœurs de lait, les mères de vos femmes, les belles filles qui sont sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères et les filles de vos sœurs, autrement dit, les nièces, les mères qui vous ont allaité, les mères de lait, les sœurs de lait, les sœurs de lait qui sont les filles de la mère de lait, les mères de vos femmes, autrement dit, les belles-mères, les belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Les belles-filles sous votre tutelle, c'est-à-dire les filles de la femme avec qui vous vous êtes marié, ou la fille de votre femme qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas votre fille. Un homme qui se marie avec une femme qui a déjà des enfants. Eh bien, cette fille, il t'est interdit de te marier avec elle à condition d'avoir, ou plutôt il t'est interdit de te marier avec la fille de ta femme si tu as consommé le mariage. Si tu as consommé le mariage, tu n'as plus le droit de te marier avec sa fille, avec la fille de ta femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Et si tu te maries avec une femme qui a déjà une fille, et que tu divorces de cette femme avant d'avoir consommé le mariage, est-ce qu'il t'est autorisé par la suite de te marier avec la fille de cette femme? Oui, car le mariage n'a pas été consommé. Les femmes de vos fils nés de vos reins, les femmes de vos fils, autrement dit les belles-filles. Il est interdit à un homme de se marier avec sa belle-fille, avec la femme de son fils. De même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé. De même qu'il est interdit de se marier avec deux sœurs en même temps. Cela est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa ma qad salaf, sauf ce que vous avez fait, et yani avant d'en connaître le jugement, avant la révélation de ce verset. N'aim frère. Sur les sœurs de lait, c'est les sœurs dont elle était. Inch'Allah, on va répondre à la question après. Parce qu'il y a les détails après des personnes qui sont impactées par l'allaitement. Là, on survole le verset de façon brève et ensuite les détails vont venir par la suite, Inch'Allah. Et donc, il est interdit de se marier avec deux sœurs en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Et également, parmi les femmes, celles qui sont mariées. Parmi les femmes, celles qui sont mariées, il nous est interdit de nous marier avec elles. Il est interdit de se marier avec une femme qui est déjà mariée. Illa ma malakat aymanukum. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, illa ma malakat aymanukum. Sauf si elles sont vos esclaves. Et ici, il faut comprendre le mot esclave comme le mot prisonnier. Comme le mot prisonnier. Kitab Allah alaykum. C'est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. C'est une prescription d'Allah sur vous. À part cela, c'est-à-dire, à part les femmes qui ont été citées dans les versets précédents, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens
de votre argent, etc. Muhsinina ghayra musafihin. Même si vous êtes muhsinin, c'est-à-dire marié. Même si vous êtes marié, à condition de ne pas faire le péché de l'adultère. À condition de ne pas faire le péché de l'adultère. Autrement dit, qu'il est autorisé à un homme, même s'il est déjà marié, de se marier. À condition de ne pas, à condition qu'il ne fasse pas l'adultère. À condition qu'il ne fasse pas l'adultère. غير مسافحين أي غير واقعين في الزنا. Et الفسح en arabe c'est الزنا, c'est l'adultère ou la fornication. Et الفسح au niveau de la langue arabe, et pourquoi est-ce que الفسح signifie, pourquoi est-ce que l'adultère est appelé فسح? Parce que celui qui fait l'adultère ou la fornication ne veut pas avoir d'enfant et ne veut pas vivre avec cette personne, il veut seulement assouvir son désir et son plaisir. Il veut seulement, en faisant l'adultère ou la fornication, assouvir ses désirs. Pour cela que cela est appelé al-fasr. Et al-fasr, en arabe, ça signifie le fait de jeter ou de lancer. Autrement dit, qu'il se débarrasse de la substance qui sort lorsque l'homme prend son plaisir. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Ma'ida, on avait déjà cité ce verset, « Aw daman masfouha » Parmi les types de sang qui sont interdits, c'est le sang qui gicle lorsque l'on égorge la bête. Lorsqu'on égorge la bête, le sang qui gicle est considéré en islam comme étant impur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé al-fasah car c'est quelque chose qui gicle, comme celui qui fait l'adultère ou la fornication, il veut dans cela assouvir son désir et faire sortir de son corps cette substance qui gicle. C'est clair? C'est pas clair? Yani, en dehors de toutes ces femmes, il est autorisé à un homme, même s'il est marié, de rechercher des femmes qui ne rentrent pas dans les catégories qui ont été citées, à condition que cet homme ne fasse pas azina. Car celui qui fait la fornication ou zina, il n'est pas autorisé. Yani, il lui est interdit de se marier avec une croyante. وَالزَّانِيَةُ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَ. Celui qui fait l'adultère ou la fornication, il ne peut se marier qu'avec une femme qui elle aussi fait la fornication et l'adultère, ou bien une femme qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. Et celle qui fait l'adultère ou la fornication ne peut se marier avec elle que celui, que l'homme qui lui aussi fait la fornication et l'adultère, ou bien un associateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Et cela est interdit pour les croyants. Cela est interdit pour les croyants car ils sont purs et ces gens, eux sont impurs. C'est clair maintenant? Je vais comprendre. T'arrives pas à comprendre quoi? Je sais pas. غير زانين. محسن. Oui, mais un musulman ne fait pas zina normalement. Mais il peut le faire. Yani, vous avez le droit de vous marier, même de vous marier avec ces femmes, avec ces catégories de femmes qui n'ont pas été citées, même si vous êtes marié. Yani, le fait que l'homme soit marié, cela ne l'empêche pas de se marier avec une autre femme. Mais il ne faut pas être. Il ne faut faire un zina. Avec elle. Non, il ne faut pas qu'il soit en état de zina.
pas que ce soit un zani. Voilà, il ne faut pas que ce soit un zani, car le fait qu'il soit un zani lui a interdit de se marier avec Ah, ça y est, une femme. là j'ai fait. Ça y Fahim? est, là j'ai fait. Alhamdulillah. Non. Et tandis si un musulman a fait l'adultère ou la fornication et qu'il se repente, etc. Non, ça on peut le voir après. Celui qui se repent n'entre pas dans ce cas. Et celui qui se repent, comme le professeur Sam l'a dit, At-ta'ibu min al-dhanbi kaman la dhanbala. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas fait de péché. فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء وبالتأمل فيها نجد أن التحريم قسمان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a cité les femmes qui nous sont interdites au mariage et en réfléchissant dans ce verset et en l'examinant, on remarque que que ces femmes qui nous sont interdites se divisent en deux catégories. أولا تحريم مؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. La première partie ou la première catégorie de ces femmes qui nous sont interdites au mariage, ce sont des femmes qui entrent dans la catégorie où l'interdiction est perpétuelle. L'interdiction est perpétuelle, c'est-à-dire que ces femmes, qu'il y a des femmes qui nous sont interdites à jamais. Non, non, éternellement ou à jamais. يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. Et ces femmes, il nous est interdit de nous marier avec elles à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, il nous est interdit de nous marier avec elles. Ou tout le temps. Il nous est interdit de nous marier avec elles tout le temps. ثانيا, la deuxième catégorie, تحريم مؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالا. Et il y a une deuxième catégorie de femmes, celles qui sont interdites de façon ponctuelle, une interdiction ponctuelle. يمنع المرأة من التزوج. Et cette femme nous est interdite de nous marier tant qu'elle est dans cet état bien précis, tant que elle remplit des conditions bien précises, et lorsque l'état change, lorsque l'état de cette femme ou les conditions autour d'elle sont modifiées, زال التحريم وصارت حلالا, alors l'interdiction de se marier avec elle s'enlève et elle devient autorisée, illicite. وأسباب التحريم المؤبد هي النسب والمصاهرة والرضاع. Donc, l'auteur commence par expliquer la première catégorie de femmes, celles qui nous sont interdites tout le temps. Celles qui nous sont interdites tout le temps. Et l'auteur dit, les causes de l'interdiction perpétuelle sont en nombre de trois. Il y a trois choses qui font qu'une femme, qui font qu'il nous est interdit de nous marier avec une femme de façon perpétuelle, c'est-à-dire tout le temps. هي النسب والمصاهرة والرضاع. النسب qui est la parenté. Donc ça c'est une des causes. La deuxième cause, المصاهرة, l'alliance. Et la troisième cause, الرضاع, qui est l'allaitement. Ce sont trois cas qui font que une femme ou dans lesquels une femme nous est interdite de façon perpétuelle. أولا المحرمات بالنسب. Premièrement, les femmes qui nous sont interdites par lien de parenté. Elles sont au nombre de sept. أولا المحرمات بالنسب وهن الأمهات البنات الأخوات العمات الخالات بنات الأخ بنات الأخت. Ces sept catégories de femmes qui nous sont interdites de façon perpétuelle à cause des liens de parenté sont la mère, sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles, les tantes maternelles, les filles du frère et les filles de la sœur.
les filles du frère et les filles de la sœur. Donc elles sont au nombre de 7 et elles nous sont interdites de façon perpétuelle à cause des liens de parenté. Et on retrouve cette interdiction dans le verset où on a dit « Hurrimat alaykum, ummahatukum, wa banatukum, wa akhawatukum, wa ammatukum, wa khalatukum, wa banatul akhi, wa banatu al-ukht » qui sont au nombre de 7. طيب ثانيا المحرمات بالمصاهرة المحرمات بالمصاهرة. La deuxième catégorie, ce sont les femmes qui nous sont interdites de façon perpétuelle pour cause d'alliance, c'est-à-dire autrement dit pour cause de ou par cause de mariage. وهن أم الزوجة ولا يشترط في تحريمها الدخول بها بل مجرد العقد على ابنتها يحرمها. La première de ces femmes, c'est la mère de la femme, la mère de l'épouse, autrement dit, la belle-mère. Et il ne fait pas partie des conditions d'avoir consommé le mariage pour que cette femme nous soit interdite, pour que la belle-mère nous soit interdite. Mais à partir du moment où l'acte de mariage a été conclu, alors la belle-mère devient interdite, il nous est interdit de nous marier avec elle à jamais. À jamais que le mariage ait été consommé avec sa fille ou non. On devient un mahram pour elle alors. On devient un mahram à vie. Non. Ibnatu zawjah. المدخول بها فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلت له ابنتها. Donc la preuve déjà que la belle-mère est interdite, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit parmi les femmes qui nous sont interdites wa ummahatu nisaikum et les mères de vos femmes. طيب, ensuite il y a la fille de la femme avec qui on a consommé le mariage. Avec qui on a consommé le mariage. Et si l'acte de mariage a été conclu avec sa mère, mais que le mariage n'a pas été consommé, alors il est autorisé à l'homme de se marier avec la fille. Et lorsque tu as consommé le mariage avec une femme et qui avait déjà une fille, eh bien, il t'est interdit de te marier avec cette fille à jamais. À jamais. Il ne t'est plus autorisé par la suite de te marier avec sa fille. Autrement dit, tu es son mahram, même si tu as divorcé avec sa mère, à condition que le mariage ait été consommé. Thalithan, zawjatul ibn. La troisième femme, c'est la femme de ton fils, la femme du fils. Autrement dit, la belle-fille. Et elle est interdite à partir du moment où l'acte de mariage a été conclu, même si le mariage n'a pas été consommé. Et la quatrième et dernière, c'est la femme du père. يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها. De même pour la femme de ton père, elle t'est interdite. Il est interdit au fils de se marier avec la femme de son père à partir du moment où l'acte de mariage a été conclu, même si le mariage n'a pas été consommé. Autrement dit, il t'est interdit de te marier avec une femme que ton père a épousée, même s'il a divorcé avec elle, il t'est interdit de te marier avec elle à jamais. Qu'il a consommé ou non, que ton père ait consommé le mariage ou non, à partir du moment où il s'est marié, où l'acte de mariage a été conclu,
et que cette femme est devenue l'épouse de ton père, il t'est interdit de te marier avec elle à jamais. Même si par la suite ton père divorce d'elle, elle sera, ni ton père, elle sera, ni ton père n'aura plus le droit de la voir, etc. Ne sera plus considérée comme sa femme, mais toi, elle sera, tu seras toujours un mahram pour elle. Toi, tu seras toujours un mahram pour elle. Donc, ce sont les quatre catégories de femmes qui nous sont interdites de façon perpétuelle par cause de d'alliances, qui sont la belle-mère, la belle-fille, à condition que le mariage ait été consommé. Elle est la belle-fille. Quand on parle de la belle-fille, de la fille de ton épouse. La fille de ton épouse qui n'est pas ta fille à toi. Ensuite, il y a la belle-fille, c'est-à-dire la fille de ton fils et la femme de ton père. Et la grand-mère de... Là, et dans les choses qui sont interdites, dans les femmes qui sont interdites, les savants disent que ça monte à l'infini et que ça descend à l'infini. Autrement dit, concernant la femme de ton père, tu n'as pas le droit de te marier avec elle à jamais. De même que tu n'as pas le droit de te marier avec la femme ou bien de te marier avec celle qui a été la femme de ton grand-père, ou celle qui a été la femme de ton arrière-grand-père, ou celle qui a été la femme de ton arrière-arrière-grand-père, en montant. De même que le père, il lui est interdit de se marier avec la fille de son fils, il lui est aussi interdit de se marier avec la fille de son petit-fils, de son petit-petit-fils, etc., etc., en descendant. D'accord? L'interdiction, elle englobe, comme les savants disent, al-usulu wal-furu', les bases et les branches. Les bases et les branches sont impactées par cette interdiction. C'est clair ou pas? Non. Non, c'est clair, c'est par rapport à ce que tu as cité. Le mahram que tu as cité il y a pas longtemps, c'est particulier comme mahram, c'est-à-dire que la femme est lui interdite, mais que pour autant, il n'a pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas la rencontrer, etc. C'est bien ça. Ah non, quand on parle de mahram, lorsque tu es le mahram d'une femme, tu as le droit de rester tête à tête avec elle, elle a le droit de se découvrir devant toi, tu as le droit de voyager, elle a le droit de voyager avec toi, etc., etc. C'est par rapport au fait que le père, par exemple, il divorce la femme. Non. Par exemple, et le fils, tu disais qu'il ne peut pas se marier avec elle, c'est son Non, mahram. non. Et il ne peut pas voyager avec elle. Si. Si. À partir du moment où tu es le mahram d'une femme, Ah, c'est un mahram. c'est un mahram, Même si c'est-à-dire elle a que divorcé, ça reste son mahram. bien sûr, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc, Moi, il a les mêmes jugements elle a les mêmes jugements que sa mère, que sa sœur, que sa fille, etc. C'est ça justement l'importance. Non, c'est ça l'importance du mahram. Lorsqu'une femme t'est interdite au mariage, tu as le droit de faire, ou les jugements la concernant sont les mêmes que où tu as le droit de faire avec elle, ce que tu as le droit de faire avec ta mère, avec ta sœur, avec ta fille, etc. Non. ثالثا المحرمات بسبب الرضاع. Et la troisième catégorie, ce sont les femmes qui nous sont interdites par cause d'allaitement. Non. Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit. Une personne, en fait, il ne peut pas se marier avec la femme de son fils. Non. Est-ce qu'il peut se marier avec la mère de la femme de son fils? Donc ça monte. La belle-mère de son fils. Il a le droit de se marier avec la. La belle-mère de son fils. Non, mais il a le droit de se marier avec la belle-mère de son fils. Pourquoi? Parce que la belle-mère de son fils, est-ce que c'est une femme qui lui a interdit ton mariage? Est-ce que c'est une femme qui lui a interdit ton mariage? Non. Donc il a le droit de se marier. L'interdiction viendra ensuite par les enfants de son fils. Parce que là, l'interdiction, pourquoi est-ce que cette femme. C'est sa belle-fille, la femme de son fils, pourquoi est-ce qu'elle lui est interdite? Parce qu'il est marié avec son fils. Donc, la femme qui sera mariée à son petit-fils lui sera interdite. Pourquoi? Car le petit-fils, c'est le fils du fils. D'accord? Mais concernant l'autre côté, au niveau de la belle-mère, rien ne lui est interdit de se marier avec la belle-mère. Donc, la troisième catégorie, ce sont les femmes qui nous sont interdits de façon perpétuelle
de façon perpétuelle à cause de l'allaitement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'a. Et les femmes qui vous ont allaité et vos sœurs de lait. Ce sont les deux femmes qui nous sont interdites, citées dans le Coran, qui nous sont interdites au mariage. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة حديث متفق عليه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: l'allaitement interdit ce qu'interdit l'accouchement. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Autrement dit, les choses qui sont interdites par les liens de sang sont interdites par les liens de lait. Les choses qui sont, ou plutôt les personnes qui nous sont interdites à cause des liens de sang, nous sont interdites également lors des liens de lait. وعلى هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم وتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب فيحرم على الرضيع التزوج من المرضعة وأم المرضعة وأم زوج المرضعة وأخت المرضعة وأخت زوج المرضعة وبنات بنيها وبناتها والأخت من الرضاعة. Donc, sachant cela, premièrement que les mères de lait et les sœurs de lait nous sont interdites au mariage, et en connaissant le hadith du prophète sallam qui nous dit que les personnes qui nous sont interdites par les liens de sang nous sont interdites également par les liens de lait, et bien de tout cela, on en déduit que la mère de lait a le même statut que la mère de sang. « وَتَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضَعِ هِيَ وَكُلُّ مَنْ يَحْرُمْ عَلَى الْإِبْنِ مِنْ قِبَلِ أُمِّ النَّسَبِ » Et que cette mère de lait est interdite à cet enfant qu'elle a allaité, de même que il est interdit, ou les femmes sont interdites pour cet enfant comme les femmes qui sont interdites d'un enfant envers une mère. D'un enfant envers une mère. Yani, tuer le fils d'une femme. Donc c'est ta mère. Est-ce que tu as le droit de te marier avec ta tante? Ta tante paternelle? Ta tante maternelle? Etc. Yani, les personnes qui te sont interdites, toi qui es le fils d'une femme, eh bien, ce sont les mêmes personnes qui te sont interdites, toi qui es le fils de lait d'une femme. C'est clair ? Oui. Fayahrum, naam. Ta sœur de lait, c'est la fille qui a été en même temps que toi, ou c'est toutes les filles de la femme qui t'ont allaité ? C'est les filles de ta mère de lait. C'est les filles de ta mère de lait. Donc elles sont toutes en... Non, toutes les filles de ta mère de lait sont tes sœurs de lait. Non. Même si elles sont de pères différents. Même si ces filles de tes sœurs de lait sont de pères différents. Et supposons que ta mère de lait a eu des filles d'un mariage et a eu d'autres filles d'un autre mariage. Eh bien, l'ensemble de ces filles sont pour toi des sœurs de lait. Non. Qui n'a rien à voir, d'une autre mère et d'un autre père, et qui a été allaité par la même personne, par la même mère de lait. Par la même mère de lait, Allah wa Alam. Fayahrumu ala al-radi'i al-tazawuj. Donc il est interdit pour l'enfant allaité de se marier avec al-murdi'a, avec la femme qui l'a allaité, c'est-à-dire sa mère de lait. Wa ummu al-murdi'a. Et la mère de sa mère de lait, autrement dit sa grand-mère de lait. Wa ummu zawjil murdi'a. Et la mère du mari de ta mère de lait. Autrement dit,
la belle-mère de ta mère de lait, mais autrement dit, la mère de mon père, de grand-mère, la grand-mère de ta grand-mère ou te, yani ta grand-mère paternelle de lait. Fahimtum? Yani Ummul Murdi'a, la mère de la, yani la grand-mère de lait. Ummul Murdi'a, la mère de la mère de lait. Autrement dit, la grand-mère de lait, mais la grand-mère maternelle. Mais il y a aussi la grand-mère paternelle, qui est la mère du mari de ta mère de lait. Ah, ça fait que le mari de la mère, ça devient notre père. Non, le mari de ta mère de lait est considéré comme ton père de lait. Est considéré comme ton père de lait, et sa mère à lui est pour toi ta grand-mère paternelle. De lait. De lait. C'est au moment où il était marié avec elle, ou tous les maris qu'ils ont suivis. Si elle a divorcé, elle est l'autre mari, ta mère de lait. Allah wa alam. Yadri. Taïb. La sœur de ta mère de lait, autrement dit, ta tante maternelle de lait. Wa urtu zaujil murdi'a. Urtu zaujil murdi'a. La sœur du mari de ta mère de lait. Autrement dit, ta tante paternelle de lait. وَبَنَاتُ بَنِيهَا وَبَنَاتِهَا et les enfants de ses enfants et les enfants de ses fils et de ses filles autrement dit ou plutôt les filles de ses fils et filles autrement dit tes nièces de lait autrement dit tes nièces de lait vous suivez ou pas les enfants des fils et des filles de ta mère de lait, qui sont tes nièces. Plutôt, les, quand j'ai les enfants, je parle des femmes, bien sûr. Des filles. Et donc, tes filles, tes nièces de lait, te sont également interdites. Et la septième catégorie, qui sont al-urto minar rada'a, les sœurs de lait. Les sœurs de lait nous sont aussi interdites au mariage. C'est clair? Pas de questions? Et j'ai oublié de dire une chose, Afwan. Le lien de lait n'impacte que l'enfant qui a été allaité, et non pas ses proches. Et toi, une femme qui allaite un enfant, elle est considérée comme la mère de lait de cet enfant. D'accord ? Mais est-ce que le frère de cet enfant est considéré comme son fils? Non. Ou est-ce que le frère de cet enfant qui a été allaité considère cette femme comme étant sa mère de lait? Non. Il faut bien comprendre cela. Les liens de lait n'impactent que l'enfant qui a été allaité et non pas ses proches à lui. Il impacte les proches de la mère, mais n'impacte pas les proches de l'enfant qui a été allaité. C'est important de savoir ça. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.